Le départ en vacances a sonné. Ce mercredi 21 juillet 2021, M6 embarque les téléspectateurs dans un nouveau numéro 1 DI de Zone Interdite. Comme quasiment chaque été, les équipes de tournage ont suivi le quotidien de familles prêtes à tout pour passer des vacances de rêve, surtout au nom de la liberté car elle n'a pas de prix. Ainsi, le programme de ce soir va se focaliser sur celles et ceux qui ont craqué pour le camping-car. Qu'il soit tout-terrain, high-tech ou bien vintage, il séduit de plus en plus de Français. Par exemple, l'année dernière, plus d'1,5 million de Français ont choisi le camping-car pour les vacances, un engouement encore renforcé par les différents confinements. La preuve en est, les réservations de location ont bondi de 50%. Dans le programme, vous allez donc pouvoir suivre les aventures de Marc et Séverine qui sont depuis toujours passionnés de motorhome américain. Ils viennent d'investir dans leur 27e camping-car, un engin aux dimensions extravagantes. 4 mètres de haut, 2,50 m de large, 12 mètres de long. Leur engin aux dimensions XXL va faire sensation sur les routes vendéennes. Petit budget et première vacances en camping-car sur la Côte d'Azur. En revanche pour Virginie, son mari Alexandre et leurs enfants Raphaël et les jumeaux, Noé et Lucas. Florence, Julien et leurs 4 enfants, eux, ont fabriqué leur van eux-mêmes. Après 3 semaines de vacances en mode Robinson, leur maison roulante a-t-elle tenu ses promesses? Pour Greg, Étienne, Alicia et Clément, les vacances en Croatie commencent à leur coûter plus cher que prévu. Zone Interdite, qui anime l'émission? À noter que l'émission sera toujours animée par Ophélie Meunier. Depuis 2016, elle est en effet à la tête du programme.